Aimables internautes, nous vous saluons et vous encourageons à rester régulièrement connectés à guinematin.com, votre quotidien en ligne. Nous recevons aujourd'hui Fama Sano, sous-préfet de Kankalabé, localité située à 85 km du chef-lieu de la préfecture de Dalaba. Enseignant de profession, notre invité de la semaine a près de 20 ans d'expérience dans l'administration du territoire. Kankalabé, où il a pris service le 24 septembre 2015, est son troisième poste dans les fonctions de sous-préfet en République de Guinée. Dans cet entretien vidéo exclusif, Fama Sano nous présente brièvement sa collectivité locale, explique les difficultés auxquelles il est confronté dans l'exercice de ses fonctions à Kankalabé, exprime des soucis de sécurité pour ses administrés et décline les besoins prioritaires des populations locales sous la conduite d'une nouvelle équipe du conseil communal, travaillant en harmonie avec sa tutelle et les ressortissants. Nous vous invitons à suivre cet entretien avec M. le sous-préfet de Kankalabé. Bonjour Monsieur le sous-préfet. Bonjour mon frère. Vous êtes le sous-préfet de Kankalabé depuis le 24 septembre 2015, date à laquelle vous avez pris service ici. Présentez-nous cette sous-préfecture. La sous-préfecture de Kankalabé fait partie de 9 sous-préfectures de Dalaba. Elle est située à 85 km du chef de la préfecture de Dalaba. Elle compose 9 districts et 8 districts. C'est une population de près de 15 000 habitants et 37 secteurs. Et tous les services déconcentrés de la préfecture sont représentés à Kankalabé. Et Kankalabé est une sous-préfecture à vocation sylvo-agro-pastorale. On a des plans aménagés et aménageables ici. Le commerce à peu près florissant parce qu'on a un marché hebdomadaire le dimanche où toutes les sous-préfectures environnantes se réunissent ici. Donc, sur le plan de la crédit sociale, la pérenne dans notre sous-préfecture, nous travaillons avec une commune dont elle est composée de 17 membres, à sa tête un maire et deux vice-maires, plus les conseillers, gérés par un secrétaire général et un receveur sur le plan administratif. Donc, à peu près, tout va bien ici. En prenant service ici au mois de septembre 2015, qu'est-ce qui vous a de plus marqué au départ? Bon, en prenant service ici, j'ai remarqué que Kankalabé, les ressortissants s'investissent pour le développement de la localité. On a des ONG locales qui interviennent dans divers domaines. Sur le plan de la foresterie, on a des ONG qui investissent pour le reboisement. Nous sommes en accord avec une ONG française qu'on appelle Acagen, qui investit sur le plan non seulement de le reboisement, mais aussi sur le plan éducatif. Ils nous aident dans notre lycée, à notre lycée ici, où ils participent à la construction des édifices scolaires. Aussi, ils nous envoient du matériel de travail sur les ordinateurs. Et ils nous ont aidés à faire un complexe sportif omnisport, basket, volley, handball, de l'eau potable pour les élèves et électrifier même le lycée. La bibliothèque aussi est bien garnie. Au niveau de la santé aussi, ils interviennent en nous envoyant des petits médicaments. Au niveau de l'eau aussi, ils participent à la création des forages, à la construction des forages. Donc, Kankalabé est en voie d'aller un peu de l'avant par rapport non seulement à la participation de la communauté, les ressortissants, mais aussi l'État aussi intervient. Parce que le PAC, avant l'arrivée de l'ANAFIC, le PAC aussi a intervenu dans la construction des écoles, la construction des postes de santé. Et le défi qu'on a à interpeller, c'est le problème d'infrastructures routières. Parce que Kankalabé et ses 8 districts, l'accès est un peu difficile. Kankalabé et le chef de la préfecture qui est de là-bas, l'accès est un peu difficile. Donc c'est le problème qui nous assaille un peu sur le plan des infrastructures routières. Quels sont les aspects qui ne fonctionnaient pas très bien à votre installation et que vous avez réussi à redresser au fil du temps en collaboration avec les autorités communales? Bon, notre rôle dans avec la nouvelle autorité communale, c'est surtout basé sur l'assainissement. Je vais vous dire, sans risque de me tromper, on peut s'enorgueillir de dire qu'après Conakry, Kankalabé est l'une des sous-préfectures les plus propres. Parce qu'à la base, avec l'appui de la commune, on a initié les femmes. Le marché hebdomadaire de Kankalabé, c'est dimanche. Mais après, dès le lundi, toutes les femmes, près de 100, 150 femmes, se réunissent pour rendre le village très propre. Donc je disais, Kankalabé, c'est une ville propre. Et c'est l'occasion pour nous de profiter, d'intercepter l'autorité pour aider ces braves femmes En nous aidant sur le plan de matériel, parce que l'assainissement demande beaucoup de moyens. Et là aussi, la commune nous a beaucoup appuyé dans ça.
Et ces femmes, chaque matin, sont là le dimanche, le lundi matin pour nettoyer le village. Donc c'est l'aspect le plus important que j'ai dans ma tête. Ensuite, sur le plan du reboisement, il faut dire que Kankalabé est un village vert. Parce qu'on a plus de 75 à 80 hectares de forêts classées, primaires, communautaires ou privées dans la sous-préfecture de Kankalabé. Ce n'est pas de commentaires. Celui qui n'est pas sûr n'a qu'à venir voir. On a ça ici. C'est avec la commune, vraiment, les relations sont très bonnes, nous travaillons ensemble. Et notre souci permanent, c'est le problème de sécurité. Bien que depuis que je suis venu, on n'a pas eu de problème extraordinaire, mais on n'a que deux agents. Pour nous parler de près de 15 000 habitants, et Kankalabé se trouve au cœur du Fouta, parce qu'on est entouré par beaucoup de sous-préfectures, des préfectures de Dalaba, de Labé, de Tougui. Donc c'est un pôle économique attractif qui fait que la sécurité nous inquiète un tout petit peu. Malgré qu'on n'a pas, depuis que je suis venu, à des choses extraordinaires qui nous empêchent de dormir. Nous venons de sortir des examens nationaux de fin d'année scolaire 2018-2019. Quels sont les résultats enregistrés par la sous-préfecture de Kankalabé à l'élémentaire et au secondaire? Avec les résultats de cette année, le constat est amer. Parce qu'à l'école primaire, on n'a pas fait un grand pourcentage. On a eu 6 élèves admis dans toute la sous-préfecture. Ça, c'est au-dessus de nos attentes. C'est combien de candidats? C'est près de 150 candidats. Hein? Près d'une centaine de candidats, il y a 6 admis. Et au brevet, Kankalabé Centre, on a près de 50, il y a eu 15 admis. On est un peu soulagé par rapport au bac. Parce qu'en terminale sciences sociales, sur 13, on a 6 admis. En termes de sciences, maths sur 3 et 0,5. Donc, ce facteur-là nous a permis de réfléchir d'ici l'ouverture, de tirer les leçons. Parce que l'échec-là est dû à beaucoup de facteurs. Vous savez mieux que moi que la grève a un peu perturbé l'élan de l'année scolaire. Ça a un peu influencé sur ce qui se passe, et au niveau des enseignants, et au niveau des élèves. Mais je crois qu'avec l'appui de tout le monde, la commune, la sous-préfecture, l'APAE et les enseignants, nous allons tirer les leçons pour que l'année prochaine, parce que c'est une première à Kankalabé, parce que Kankalabé a toujours donné les bons résultats, on gagne souvent de 80 à 90% d'admis. Donc voilà le constat qu'on a, mais je crois que l'année prochaine, on va tirer les leçons et avoir un bon résultat. Parlez-nous un peu du secteur de la santé. Bon, la santé, on se bat grâce à l'appui de nos ONG, de nos partenaires de la CAGEN. On a près de 8 postes de santé et le chef du centre de santé est là. Il a été un peu amélioré par rapport après Ebola. L'État a investi des moyens au niveau des centres de santé. Le Kankalabé, il a 8 postes de santé, tous fonctionnels. Donc les vaccinations aussi, quand le moment arrive, les gens s'investissent. On sensibilise avec le COSA pour permettre aux femmes d'envoyer les enfants de 0 à 5 ans dans le programme de vaccination. Avec l'affaire de moustiquaire aussi, chacun a reçu ce qu'il doit avoir et on a sensibilisé pour que chaque famille utilise ses moustiques à bon escient. Et l'hydraulique villageoise? L'hydraulique villageoise aussi, on a des forages. On a beaucoup de forages. Et tous avec nos partenaires, ils nous aident à la réparation de ces forages. Donc bien que ce n'est pas de façon, on a des besoins, les forages qui sont faits par l'État, qui sont faits par les jeunes et qui sont faits par les privés, qui installent même des pompes dans les petits villages, de façon privée, ça permet au moins d'éviter les maladies hydriques au niveau de la population. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions de sous-préfet? Bon, les difficultés que moi je rencontre sur le plan administratif, c'est sur le plan infrastructure. Le logement du sous-préfet qui est construit depuis 1968, pas de bonne qualité. Ça, il faut reconnaître. État représentant de l'État, le symbole doit être à la mesure, hein, de façon visible. Bon, aussi, les difficultés qu'on a, c'est les difficultés d'ordre matériel. Le sous-préfet n'a pas de moyens de locomotion par rapport aux activités que nous menons. Ça aussi, nous interpellons l'État par rapport à ça. On nous a fait des promesses. Justement, nous apprenons que les partenaires au développement qui font la promotion des communes de convergence ont décidé d'accompagner l'État guinéen à équiper les administrations locales. C'est dans ce cadre qu'on annonce des nouvelles motos pour les sous-préfets. Bon, pour le moment, d'abord, nous ne sommes pas une commune de convergence, mais grâce au premier appel, on a appris que nous devons avoir les moyens de locomotion.
pour le moment, on n'a pas réussi d'abord, mais on a l'espoir que les motos là vont venir pour nous permettre de nous déplacer et mener nos activités à bon escient. Dans beaucoup de collectivités, nous avons retrouvé des élus analphabètes. Cette réalité complique le plus souvent l'application des codes de collectivité parce que généralement ces élus prennent leurs désirs pour des principes. Est-ce que c'est le cas à Kankalabé? Bon, sur le plan de ça, ce n'est pas Kankalabé seul qui a ces difficultés. La plupart des élus ne connaissent pas le code de collectivité. Notre souci, c'est comment les former. Et le besoin est là. L'administration du territoire envisage de venir former les conseillers par rapport à cet élan. Mais nous ici, chaque fois que le cas nous est présenté, on explique aux conseillers qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport au code des collectivités. Mais la formation, nous la souhaitons aux conseillers. Ce n'est pas à Kankalabé seulement. La plupart des communes, la plupart des conseillers ne sont pas lettrés. Donc, deux fois, il y a des phases entre ce qu'ils font et ce qui doit être fait par rapport au code des collectivités. Mais nous pensons que l'occasion viendra pour les former de façon très formelle face à ces petites difficultés qu'ils ont. Mais tout notre souci ici, c'est le plan de développement. Il n'y a pas de parti pris. Le maire qui est élu, ses conseillers savent qu'ils sont là pour le développement, sans politique, sans considération de part et d'autre. Leur objectif, c'est le développement. Et nous, en tant qu'autorité, en tant que représentants de l'État, en tant que conseil, nous sommes là, on a les renforcer par rapport à cet élan. Quels sont les partis politiques qui sont représentés au sein du conseil communal de Kankalabé? Trois partis politiques représentés dans le conseil communal de Kankalabé. Ils sont 17 conseillers. Il y a l'UFDG majoritaire, il y a le RPG et l'UPR. Quel regard portez-vous sur le plan annuel d'investissement de la commune rurale de Kankalabé? Bon, grâce aux efforts fournis par le gouvernement par rapport à l'ANAFIC, Kankalabé a bénéficié des fonds comme les autres communes de la Guinée. Donc notre objectif, c'est à travers le conseil communal, on a priorisé des actions. Cette année, avec les près de 1,2 milliard qu'on a reçus, on a envisagé de faire une nouvelle commune digne de nom et reconstruire l'école primaire de Kankalabé qui date depuis 1929. Aussi, grâce à l'initiative présidentielle, de faire le foyer de jeunes, la maison de jeunes. Donc les trois actions sont prioritaires et par la grâce de Dieu, si les fonds sont mis à notre disposition, cela sera fait grâce à Dieu. Et l'année prochaine, on va voir encore comment il faut faire. On va prioriser les actions grâce au conseiller. Quelle est la situation de la jeunesse de Kankalabé? La jeunesse de Kankalabé, elle est là. Elle participe à beaucoup de nos actions. Mais elle a besoin d'être soutenue, d'être renforcée, d'être encouragée par rapport à ce qu'il doit faire. Et c'est pour là que j'ai dit, quand la maison de jeunesse va finir, on va essayer à les regrouper, créer ce qu'on appelle le SECO, Centre de Conseil et d'Orientation des Jeunes, pour permettre aux jeunes d'être là-bas, d'apprendre beaucoup de choses, pour les éviter, non seulement de traverser la drogue, l'alcool et le banditisme, mais aussi fixer des objectifs en créant des petits projets, afin de les maintenir, pour éviter ce que nous connaissons tous, aller vers l'immigration. Parlant d'insécurité, vous avez dit que vous avez deux ASA. Nous savons que dans la région, le vol de bétail constitue un fléau. Quelle est la situation de Kankalabé? Bon, depuis que je suis venu, je n'ai pas subi ce cas. C'est rare. Le cas, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Quelque temps, on apprend qu'un animal est égorgé par là. On a pris tout, on a envoyé. Mais ce que vous entendez, vol de bétail de façon grande, n'existe pas très bien à Kankalabé ici. Parce qu'il faut que je le dise. Mais de temps en temps, on apprend que quelqu'un est venu trouver son animal. On a égorgé, on a pris une partie de l'animal. On a laissé le reste, il est parti. Donc on mène les petites enquêtes pour voir quels sont les complices internes qui s'associent à ça. En tant que sous-préfet de Kankalabé, quel est le domaine dans lequel vous n'avez pas du tout réussi à vous faire entendre par vos administrés sur le terrain? Bon, je crois que je ne sais pas si c'est une chance ou c'est un truc. Moi, personnellement, je n'ai pas assez de problèmes avec mes administrateurs. Chacun a un objectif à atteindre. Et chaque fois, on a des réunions. De temps à autre, chacun vient faire le constat de ce qui se passe. Et les petites difficultés qu'on a cette année, c'est par rapport à l'agriculture, par rapport aux engrais. Parce que la campagne agricole est là. Et cette année, on n'a pas reçu d'engrais de la campagne 2018-2019. C'est les engrais de l'année passée qu'on a. Mais vous savez, Kankalabé, c'est une zone agricole. La plaine de Mansa, qu'on a près de 800 à 1000 hectares, tout le monde se focalise là-bas.
mais cette année l'engrais a un peu retardé et la pluviométrie, que vous savez mieux que moi, a perturbé la campagne agricole. Voilà, j'ai ce souci, parce que la priorité de la Guinée, c'est l'agriculture. Quand elle se développe, le pays se développe. Donc voilà notre souci, un tout petit peu avec le conseil, chaque fois on partage, il n'y a pas assez d'engrais de là-bas, les populations nous embêtent pour avoir les engrais. Donc voilà ce souci permanent que j'ai actuellement. Avez-vous un autre message à nous confier pour les internautes? Non, le message que j'ai à vous confier, c'est un message de paix, d'entente et de bonne collaboration dans le cadre du développement de Kankalabé. Mon souci en tant que représentant de l'État, c'est le développement. On se battra avec le conseil pour que Kankalabé soit un pôle d'attraction de la Guinée. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, monsieur le sous-préfet de Kankalabé, d'avoir accepté l'invitation de Guinée Matin pour un comme ce jour. Merci beaucoup, mon ami. Aimables internautes, on était avec M. Fama Sano, sous-préfet de Kankalabé, enseignant de formation qui a 20 ans d'expérience dans l'administration du territoire. Il est sous-préfet de Kankalabé depuis le 24 septembre 2015, date à laquelle il a pris service à son troisième poste dans cette préfecture de Dalaba. Nous vous remercions de votre aimable attention et espérons pouvoir vous retrouver la semaine prochaine dans la même rubrique et sur le même journal électronique. Nous vous souhaitons tout ce qui est de meilleur pour cette semaine encore. Merci bien.